Ah, j'en peux plus des jeunes là, ils sont lourds. Ils arrêtent pas de rigoler pour n'importe quoi. Glavio, Glavio. Et les sirènes, je vais vous faire le zizicoptère. Ouais, Glavio, il fait tout pour faire son intéressant. Et Odor, vote pas contre moi, regarde ce que j'arrive à faire. Non mais 40 jours avec eux là, niveau bac à sable, j'en peux plus moi. Mais les fruits de coco, c'est dégueulasse. Mais je trouve quand même que Thomas, il a un grand cœur. Il a fait beaucoup d'efforts pour se rapprocher de nous. Je suis entouré d'une belle bande d'abrutis. Oui, je dis pas bonjour au traître. Ouais, pas de salut. Il faut casser le binôme Maxine et Laure. Destroy the binôme. Non, mais je vous rappelle que ce n'est qu'un jeu. It's not a game. Ici, t'es notre prisonnier, t'as plus le droit à la parole. Alors, c'est la petite prison dans le lagon? La bouteille. Denis? Denis, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour Denis. C'est une dinguerie de voir Denis ici. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui vous l'amène la bouteille. J'ai envie de crier. Merci Denis. Merci Denis. Oda. Votre épreuve sera de lire tous ces messages sans respirer. Mais j'ai jamais lu autant de mots d'affilée. Laisse, je vais lire. Oda. Cette plage est une représentation d'un univers social dans son ensemble, où entraide et rivalité ne cessent de se côtoyer. Stratégie et social vont souvent de pair. Oda. Oda. Incroyable ce petit moment de lucidité de Odor. Oh! Il y a une mouette qui a lâché une caisse. Et depuis quelques jours, j'ai la bouche qui me gratte. Mais c'est à force de rien manger, j'ai la bouche qui cicatrise. On a presque plus de riz, va falloir que Denis nous en refile. Salut! Ahou! Alors aujourd'hui, on continue les épreuves à la carte. Celle-ci, elle est pour Jonathan. Oh. Maxine, vous aurez votre épreuve d'équilibre tout à l'heure. Ah, super, merci. Et pour les autres, j'ai rien au menu. Oh. Je vous laisse regarder Jonathan faire l'épreuve. Et une victoire sans surprise pour Jonathan. Jonathan, vous préférez un burger à la viande ou un poisson à la morve? Je vais prendre le burger. Alors, vous pouvez choisir de partir avec votre récompense ou donner ça à un autre aventurier. Je vais le donner à Lucie, je sais qu'à la fin. Bravo, c'est fair play. Ah, je vois aussi ici qu'on lui a livré un meuble Ikea. Vous allez vous déchirer la bouche en bouffant les planches. Je pense que c'est parce que vous êtes pas commode. Ouais, par contre, si je croise Shanice, je la démonte. Alors, je viens d'ouvrir un restaurant sur la plage. Ça s'appelle À la chemise bleue. Ah, c'est gentil de nous inviter. Non, mais vous allez manger par terre, là-bas. Cette boîte, maintenant, c'est la mascotte de l'île. Ah bah tiens, regardez les photos. Bah c'est tout flou. Oh, c'est ta copine, elle est trop belle. Non, ça c'est son père. Pendant ce temps-là, sur une autre plage... Ouah, le McLanta. Pourquoi j'ai pris le poisson? En France, je peux en manger 10 par jour. T'as peut-être déjà mangé une vache de l'or. Bah regarde, il y a encore un bout de harpon. Je suis sûr que c'est Odor qui l'a pêché. Odor. Comme je disais, avec ces jeunes, c'est n'importe quoi. La gestion du riz, elle est complètement ratée, on a plus rien à manger. Je crois que c'est le bon moment de lui faire l'hélicoptère. Bah merde, j'ai fait tomber le riz. Attends, on déconne pas avec le riz. Oh merde, je fais tomber la cabane. Attends, on déconne pas avec la cabane. Ouais, Glavio, il critique tout ce que je fais. Vivement le conseil qu'on vote tous contre lui. Je t'aime, Glavio. Bonjour à tous. Ouais. Comme promis, voici une épreuve d'équilibre pour Maxine. Quel suspense, putain. Qui de Odor ou de Maxine va l'emporter? Oh, il y a une raie. Odor. Non mais revenez, c'est pas l'heure de la chasse. Bon, si vous voulez des burgers, du riz, hein, vous me le dites. On va quand même essayer un petit peu de se la jouer mode survie. Non mais c'est dommage, j'insiste. Non mais Denis, c'est pas du jeu. Dans ce cas, on va vous en cacher à côté de l'arbre à caca de Laetitia. Au revoir Denis. Et maintenant, bonsoir. Alors mes poulets, qui a une arme secrète? Ben moi, je peux vous faire ça. Bien que ce ne soit pas une arme secrète, je vous donne un kilo de riz. Et on gagne quoi si tout le monde pète? Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan! Et non, c'est le jury final. Magali, allez voter. Et prenez ce kilo de riz en passant. Merci Denis. On va trop grossir. Thomas, malheureusement, vous avez montré plusieurs signes de faiblesse. Ben je vais te péter les bras, Denis, tu vas voir si je suis faible. Au revoir Thomas. Et si tu veux pas que je te pète les bras, bah abonne-toi. Et je te dirai pas bonjour. Un requin! Tatamu, Atahiroa, Nenene Vanuya!